Elle va même être un peu curieuse. Oui, et puis, alors je parlais d'emprise, mais petit à petit, c'est ça qui arrive. Oui, mais je dirais que ça marche dans les deux sens, puisque Candice va donc aider Dominique. Dominique, pour la remercier, va faire plein de choses pour elle. Et puis, elle va se retrouver dans une situation assez inconfortable et un peu étrange que personne ne comprend dans l'entourage. Dominique va venir, elle va être hébergée par Candice dans son minuscule appartement. Et là, on va voir que dans l'entourage de Candice, eh bien, les gens ne réagissent pas de la même façon. En fait, c'est une petite lettre, voilà, vous découvrirez, mais il n'y a que le premier tirage, donc je ne sais pas ce qui est en vente ici, je ne sais pas si tout le monde aura ce petit bonus. Donc s'il y a des jaloux, je suis désolée, je ne peux pas... Vous l'avez ou pas? Oui, ah, quand même. La FNAC de Toulouse a le premier tirage. Oui, bien travaillé. On le dit peut-être, c'est quand même un mot signé de quelqu'un que vous adorez. Alors, pas exactement. On a un peu triché. Ah. Donc, je vous montre de quoi il s'agit quand même. Voilà. Donc, c'est une lettre avec une écriture à l'ancienne, qui n'est pas signée d'ailleurs, hein, je précise. Oui, oui. C'est un peu le passager clandestin de ce roman. Et c'est notre directrice commerciale, qui s'appelle Laetitia, qui a eu cette idée de trouver quelqu'un capable d'imiter l'écriture de cet écrivain illustre, dont je vais vous dire le nom très rapidement. Il avait une écriture très particulière, assez facile à retrouver sur Internet. Donc ça, c'est un mot que j'ai écrit moi en me basant sur ses écrits, en m'inspirant de ses écrits, on va dire, une lettre d'amour. Et donc, c'est pas vraiment une lettre signée de lui, mais presque. Et vous voyez, c'est comme une carte. Parce qu'en fait, cette lettre existe dans le livre. Isola, elle a un peu changé. Il aurait dû, parce qu'il n'y avait que sa femme qui était présente durant sa mort, enfin juste avant sa mort. Il aurait dit, demain nous serons guéris. Et nous avons pensé avec mon éditeur que le mot guérir fait tout de suite penser au Covid, au virus, etc. Donc nous l'avons un peu changé. En mettant nous irons mieux demain. Mais ce sont, voilà, la signification de cette phrase, vous verrez pourquoi et comment. Mais ce sont ces derniers mots. Et c'est vrai que, étant donné que ce livre raconte aussi le parcours de quelqu'un qui va aller beaucoup mieux, on s'était dit que ce serait un peu positif. En vous écoutant, et puis après avoir lu le livre, je me dis qu'il y a une multitude de miroirs dans ce livre, en fait, par rapport à vous, par rapport à l'histoire de Zola, par rapport au roman, il y a des effets de miroir dans tous les sens. Oui, ça, j'avais pas prévu du tout non plus. Ça, c'est une partie de la magie de l'écriture. J'étais partie, moi, dans une histoire très simple qui, finalement, ne l'est pas. Et j'avais pas prévu de parler autant de certaines choses très personnelles qu'on peut évoquer, bien sûr, maintenant. J'ai pris l'habitude d'en parler, même si au début, c'était difficile. Candice souffre d'une maladie méconnue qui s'appelle un trouble du comportement alimentaire, une TCA. Dans TCA, on peut ranger plusieurs maladies, boulimie, anorexie, hyperphagie. Ce sont des maladies dont on ne parle pas. Ce sont des maladies qui ont explosé depuis le confinement. Ce sont des maladies qui peuvent toucher des gens de n'importe quel âge. Parfois des gens très jeunes, parfois des gens plus âgés, des deux sexes. Moi, j'ai souffert de cette maladie pendant 25 ans. Même ma famille ne savait pas. Ma famille a découvert en lisant ce livre. Je crois que ça a été un choc pour eux. Je n'avais jamais réussi à leur en parler. Je reçois tellement de témoignages touchants depuis que ce livre est sorti. À chaque dédicace où je vais, quelqu'un vient me dire merci, ou alors prend le livre pour quelqu'un qu'il connaît, qui souffre de cette maladie. Donc moi, le seul message que j'ai aujourd'hui, c'est que si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'une TCA, ou si vous-même vous en souffrez, ne faites pas l'erreur que j'ai faite moi. Parlez-en. Moi, j'ai attendu trop longtemps. Je ne savais même pas que c'était une maladie. Je ne savais même pas que je pouvais en vivre. Et comme Candice, j'en guéris. Parlez-en. Il y a des structures dans les hôpitaux. Il y a des médecins. L'hypnose aussi marche pour aider à... En fait, on est enfermé dans une prison quand on souffre de cette maladie. On se voit différemment. D'ailleurs, ça s'appelle la dysmomorphobie. On ne se voit pas comme on est vraiment. Et on a un problème terrible avec la nourriture, en fait. On ne peut pas manger normalement, se nourrir normalement. Et c'est dans le monde entier, cette maladie. Vous voyez, j'étais aux Pays-Bas la semaine dernière parce que le livre est sorti là-bas.
il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui souffrent de cette maladie. Sur les réseaux sociaux, il y a énormément de hashtags sur comment se faire aider, comment en parler. Donc je n'avais pas du tout prévu d'en parler non plus, c'est sorti, voilà. Maintenant je me dis que, après les premières difficultés que j'ai eues à en parler, hein, c'était un peu un baptême du feu, hein, la première interview sur RTL un matin de grande écoute, la première question que m'a posée la journaliste, un peu vache, c'était là-dessus, mais quand on lit ce livre, on comprend tout de suite que tous ces passages-là sont finalement très personnels. Donc c'est comme ça que c'est rentré dans le livre, c'était pas prévu.